Je suis d'une famille où il y a pas mal d'artistes. Mon père est architecte, donc j'ai commencé en fait professionnellement par faire des maquettes d'architecture. Tout en continuant à dessiner, peindre, ce que j'ai toujours fait depuis que je suis petite. Hein. Et puis j'en ai eu vraiment marre de faire des trucs sur commande. Et je me suis dit, bon, bah maintenant, voilà, je vais être une artiste. C'était très prétentieux, je trouve, mais bon, je l'ai fait quand même. Et depuis, ben voilà, j'essaye de travailler le plus possible, tout en changeant très souvent de manière, parce que sinon, je m'ennuie. Mais là, actuellement, je suis dans le dessin, pratiquement pur, quoi, voilà. C'est en ce moment, et dans une forme d'abstraction, je dirais. Françoise Perbé vit à Arreau, en Corse du Sud. Le travail de cette plasticienne se décline sur plusieurs supports et à travers différentes techniques. Dessin, peinture, gravure, sculpture. L'artiste explore toutes sortes de matériaux et différents médias. Elle réalise aussi des films d'animation. Il y a parfois une idée de départ, mais la plupart du temps, c'est l'improvisation. Je prends une toile ou un papier. Et je vagabonde, je dirais. Quoi. Voilà. Et puis ça vient ou pas. Hein. Mais j'ai rarement... Si, parfois dans les rêves, je rêve d'un tableau, d'un dessin, je me dis, ah, tiens, je vais faire ça. Évidemment, ça ne correspond absolument jamais à ce dont j'ai rêvé. Mais ça peut être une idée de départ. Voilà. Mais la plupart du temps, c'est de l'improvisation. Oui, oui, c'est la main qui guide... La main qui guide la tête. Et l'inverse aussi, hein, bien entendu. Moi, j'adore regarder ce que font les autres, faire des expos. Mais bien sûr, et puis bon, j'ai des bouquins d'art, je lis des revues d'art. Parfois, je me dis, oh, j'arriverai jamais à faire ça. Donc, il y a un côté très frustrant aussi de voir ce que font les autres. Mais bon. Françoise Perbé est née à Ajaccio. Issue d'une famille d'artistes, elle s'oriente dans un premier temps vers le métier de maquettiste, puis celui de graphiste. Elle va réaliser aussi de nombreux décors pour le théâtre, le cinéma et pour des vidéoclips. Et des illustrations pour des festivals de cinéma comme celui de Bastia ou de Lame. Elle est aussi scénographe, photographe, réalisatrice. Toutes ses activités artistiques lui vaudront plusieurs distinctions. Son travail a été régulièrement exposé depuis les années 2000 en Corse et sur le continent. Ici, malheureusement, il y a beaucoup d'animaux morts. Par exemple, les vaches, très souvent, on les jette et puis on trouve les crânes, quoi. Voilà. Par exemple, mais j'ai toutes sortes de crânes. Ça va du rat au cheval, en passant par les tortues. Bon, c'est pas des crânes, c'est des carapaces, mais enfin, bon. Et qu'est-ce que j'ai ? Des chats, plein de trucs, quoi. Voilà. J'en ai fait, effectivement, des petites voitures. Je suis effectivement très attirée par les structures. Donc un crâne, c'est une structure magnifique, en général, parfaite, quoi. Et broder autour de la structure, je trouve ça intéressant, quoi. J'aurais du mal à définir ce que je fais. Étant donné l'hétérogénéité, je dirais, je sais pas, un peu... Enfin, actuellement, je suis un peu dans le fantasmagorique, quoi, peut-être, un peu, voilà. C'est vrai que j'aime bien les chimères, par exemple, ce que j'ai fait avec les crânes d'animaux. On peut appeler ça des chimères, quoi, voilà. Et j'aime assez ce genre de choses, mais c'est plutôt les autres qui vous disent quel peut être votre univers. Soi-même, je trouve que c'est difficile de se définir. Hein. J'ai récupéré des tas d'emballages. Vous savez, des emballages genre blister. Emballage plastique transparent dans lequel j'ai coulé du plâtre, voilà, et ensuite j'ai fait des assemblages de morceaux de plâtre de toutes sortes. Et là, bon, on peut retrouver un peu mon travail de maquettiste en architecture, même si ça n'a rien à voir avec ce que j'ai pu faire auparavant. Là, c'est plus effectivement la tête qui travaille, même la main suit évidemment. Mais sinon, le contact à la matière, oui, moi j'adore tripoter du plâtre, enfin voilà, j'aime bien avoir les mains dans la matière. Moi, ce que j'aime effectivement dans ce travail, c'est des découvertes, quoi, voilà.
découvertes. Je m'étonne parfois moi-même en disant « Ah tiens, je n'avais pas pensé à ça et voilà, je suis en train de le faire et c'est intéressant, c'est pas intéressant, ça c'est un autre problème. » Mais en tout cas, j'ai trouvé un truc, quoi. Voilà. Moi, ce que j'aime dans ce que je fais, c'est effectivement me surprendre un peu, quoi. Surprendre les autres, j'en sais rien, mais en tout cas, me surprendre. Je trouve que c'est déjà pas mal. Thank you.